et bienvenue à notre événement Amuse-Bouche. So, hello everyone and welcome to our Amuse-Bouche event. Nous nous retrouvons donc comme deux fois par mois pour cuisiner ensemble et découvrir des plats français ou de pays francophones. So, we meet just like every 2 weeks to cook together and to learn new things about the French cuisine. So today we are going to cook some madeleine. Donc aujourd'hui nous allons cuisiner des madeleines. Si vous ne connaissez pas cette recette, eh ben nous allons la découvrir ensemble. Donc les madeleines sont des petits gâteaux à base d'ingrédients très simples, hein, farine, beurre, levure, sucre, comme nous allons voir dans quelques instants. Et c'est une recette qui est assez ancienne, hein, puisque c'est une recette qui date de 1755, donc c'est vraiment une vieille recette, et qui a été inventée, on va dire, dans l'est de la France, en Lorraine, comme la quiche lorraine que nous avons déjà cuisinée ensemble et qui ensuite a beaucoup voyagé, hein, puisque on a retrouvé les madeleines plus tard en Corée, on a retrouvé les madeleines plus tard au Japon, donc avec des recettes qui sont un petit peu adaptées selon les pays, donc par exemple des madeleines au sésame ou des madeleines au thé, donc ça va vraiment varier en fonction du pays qui va se réapproprier la recette. On trouve également des madeleines en Suisse, donc une recette traditionnellement française, mais qui a beaucoup voyagé de nos jours. Donc, si vous souhaitez participer à ce live, si vous souhaitez venir discuter avec moi des madeleines, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est proposé sur notre page Facebook. So, if you would like to join, if you would like to come to speak with me about madeleine and the French cuisine, you are more than welcome to do so. To do that, you can click on the link that you have on our Facebook page and we will discuss about the dishes that I know and the dishes that you know as well. Allez, donc nous allons commencer à cuisiner nos madeleines. Donc tout d'abord, nous allons voir ensemble quels sont les ingrédients nécessaires. So first of all, we are going to see what are the different ingredients for this recipe. Et ensuite, on verra étape par étape comment les cuisiner. Donc je répète, hein, que si certaines personnes souhaitent nous rejoindre, souhaitent venir discuter avec moi et parler de la cuisine française ou de la cuisine des pays francophones et également bien sûr de la cuisine de leur pays, et ben vous êtes plus que les bienvenus, hein. N'hésitez pas, vous pouvez tout à fait cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook pour participer à ce quiz. Allez, je commence donc ma recette. On y va. Donc, tout d'abord, de quoi avez-vous besoin pour cuisiner les madeleines? Eh bien, de choses très simples, hein. Vous allez avoir besoin d'un saladier. Le mien est très grand, mais ça n'a aucune importance. Si vous en avez un plus petit, ça va très bien aussi. So, first of all, you are going to need a bowl. So, mine is pretty big, but if you have a smaller one, it's perfectly fine as well. Vous allez avoir besoin de 2 œufs. Alors, pour une petite précision, hein, je vous donne les ingrédients pour réaliser une vingtaine de madeleines. So, just to make sure like you prepare the right quantity, I'm baking today about 20 madeleines. So, all the ingredients like I'm going to give you are for 20 madeleines. Obviously, if you want to cook less, you will have to put less ingredients. And if you would like to bake more, you will have to add a few extra grams of everything. Donc, pour 20 madeleines, nous avons, comme je l'ai dit il y a un instant, besoin de 2 œufs. Nous avons besoin de 90 g de sucre, donc que j'ai déjà pesé, hein. Moi, c'est un mélange de sucre blanc et de sucre brun. Ça n'a aucune importance, hein. Si vous avez du sucre blanc à la maison, c'est super. Si vous avez du sucre brun, ça va très bien aussi. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Pour cette recette, vous avez également besoin de 120 g de farine. Donc, moi, je prends toujours de la farine fluide, un plat. Donc, j'ai déjà pesé ma farine également. Vous allez avoir besoin d'un sachet de levure puisqu'on va vouloir des madeleines bien aérées, hein, bien gonflées. Donc, on va avoir besoin de levure pour cela.
Nous allons avoir besoin de 60 g de beurre fondu. Donc là aussi, j'ai déjà fait fondre mon beurre, mais j'expliquerai la technique du bain-marie tout à l'heure. Et nous allons avoir besoin de 30 g de lait. Alors, si vous ne savez pas vraiment à quoi correspond 30 g de lait, ben, c'est très simple. Hein. 30 g de lait, ça fait une cuillère et demie à soupe. Donc, une cuillère en entier plus la moitié d'une cuillère de lait. Donc, vous voyez, ce sont des quantités de lait qui sont assez petites. Ensuite, sachez que certaines personnes ajoutent dans la recette des madeleines du citron. C'est également très bon, hein. N'hésitez pas, si vous souhaitez ajouter du citron, ça peut être très sympa aussi. Certaines personnes ajoutent des pépites de chocolat, là aussi, hein, des petites madeleines aux pépites de chocolat, c'est très bon. Et certaines personnes utilisent de la fleur d'oranger, donc qui est un liquide qui donne ce petit parfum d'orange à vos gâteaux. On en met par exemple dans les gaufres ou on peut en mettre dans les madeleines. Donc, aujourd'hui, je n'en utiliserai pas, mais si vous en avez à la maison, si vous souhaitez ajouter un petit peu de fleur d'oranger, c'est très bon aussi. Allez, on va donc commencer avec notre première étape. Donc, première étape pour cuisiner ensemble des madeleines. Voilà. Alors, pour cette première étape, je vais mélanger les œufs, donc deux œufs entiers, avec le sucre et je vais fouetter tout ça, donc en utilisant mon fouet, jusqu'à ce que mon mélange blanchisse, hein, jusqu'à ce que mon mélange devienne un petit peu blanc. Donc, je vais déjà casser mes œufs. Donc, pour 20 madeleines, deux œufs, c'est suffisant, hein. Donc, je casse mes œufs. Donc, premier œuf, hop, et le deuxième. Ah, zut. Il y a un petit morceau de coquille qui s'est infiltré. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, si jamais ça vous arrive, si jamais en cassant les œufs, vous vous rendez compte qu'il y a un morceau de coquille qui malheureusement est tombé dans votre préparation, bien, vous pouvez prendre une cuillère. C'est beaucoup plus simple que si vous utilisez vos doigts. Hein. Voilà. Vous pouvez prendre une cuillère et le sortir sans aucun problème. Hein. Ah, zut, il y en a un autre, ben, décidément. Et donc, le sortir avant de battre votre préparation parce que sinon, ça va être un petit peu plus compliqué, voire impossible de le retrouver. Hop. Donc, j'ai cassé mes deux œufs dans mon saladier. Donc, je mets la boîte de côté. Les coquilles d'œufs iront plus tard à la poubelle. Et je vais ajouter le sucre. Hein. Donc, pour, on a dit pour 20 madeleines environ, nous avons besoin de 90 g de sucre qui sont ici. Donc, si vous avez une petite balance à la maison, c'est super. Si jamais vous n'avez pas de balance à la maison, vous pouvez regarder sur Internet. Hein. On vous donne les équivalences en cuillère à soupe. Hein. Donc, si vous ne savez pas vraiment à quoi ça correspond, vous pouvez regarder. Donc, pardon. 90 g, ça correspond à combien de cuillères à soupe? Et donc, vous pouvez comme ça mesurer finalement vos quantités. Donc, je mélange mon sucre avec les œufs et avec mon fouet. Je vais fouetter donc le mélange jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu mousseux, jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu blanc. C'est parti. Donc, je fouette tout ça. L'idée est de bien mélanger les œufs avec le sucre. Je fouette, je fouette, je fouette pour obtenir un mélange un petit peu mousseux. Donc, je vais encore fouetter un petit instant. Et voilà, donc il commence à y avoir des petites bulles. Hein. Hop, ça commence, je vais vous montrer. Hop, ça commence à ressembler à ceci. Donc, il y a des petites bulles sur la surface. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc, mon mélange commence à devenir un petit peu mousseux. Hop là, c'est donc ce que nous souhaitons obtenir. Donc, c'est parfait. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà,
Donc, mon mélange œuf, sucre et bon, c'est un mélange qui est un petit peu mousseux, comme je l'ai dit, avec des petites bulles à la surface. So, I have mixed together my two eggs and the sugar. I have little bubbles on the top, so that's what I want, so that's great. So now, I'm going to be able to add the milk. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de 30 grammes de lait. Alors, le gramme de lait, c'est un petit peu étonnant, hein? Donc, mais dans la recette que j'ai trouvée, il nous parlait de grammes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à quoi ça correspondait en cuillère, puisque c'est un liquide, ça va être quand même plus simple. Et donc, 30 grammes de lait, eh bien, ça correspond à une cuillère et demie. Je ne vais pas mettre mes 30 grammes immédiatement. Je ne vais pas mettre ma cuillère et demie immédiatement. Je vais mettre une cuillère entière tout de suite que je vais mélanger à ma préparation. Et plus tard dans la recette, vous allez voir, on ajoutera la demi-cuillère restante. Donc, une cuillère bien remplie de lait, hop là, voilà, que j'ajoute à ma préparation. Certaines personnes mettent aussi du yaourt hein, ou de la crème à la place à la place du lait. C'est tout à fait possible. Ça va rendre vos madeleines un petit peu plus riches, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait bon également. Voilà, donc je mélange donc ma préparation. Je rappelle pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, nous avons donc deux œufs, dans lesquels nous avons ajouté le sucre et nous avons fouetté jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Nous avons ensuite ajouté une cuillère à soupe de lait et nous avons à nouveau fouetté. Notre mélange est toujours mousseux. C'est super, c'est exactement ce que nous souhaitons obtenir. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, nous allons ajouter la farine et la levure. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de cuisiner, vous le savez sans doute, hein, mais pour les autres, en fait, quand vous ajoutez de la levure dans un plat, il faut toujours, toujours, toujours de la levure chimique, hein. Il faut toujours, toujours, toujours qu'elle soit mélangée à la farine. Si vous l'ajoutez séparément, elle ne va pas bien se mélanger au reste de votre plat, au reste des ingrédients. Donc, il faut toujours, toujours, en fait, incorporer la levure en même temps que la farine. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon saladier à peu près la moitié de la farine. Voilà. Par-dessus, je vais mettre mon sachet de levure que je vais recouvrir avec le reste de la farine pour m'assurer que farine et levure se mélangent bien. Voilà, donc je rajoute le reste de la farine. Pour l'instant, je n'ai pas encore mélangé, hein. Et je vais ensuite mélanger tout ça avec mon fouet afin d'obtenir une pâte homogène, hein, puisque pour l'instant, j'ai la base liquide du début, je ne sais pas si vous voyez bien, et la farine au-dessus. Donc, je vais mélanger tout ça pour obtenir une pâte homogène qui va être ma pâte à madeleine. Donc, c'est parti. J'ai donc dans mon saladier, oups, je m'emmêle les pieds dans les fils. J'ai donc dans mon saladier les œufs, le sucre, la farine et la levure et le lait aussi. Et c'est parti. On bat tout ça avec le fouet. Alors, donc la farine va créer une sorte de résistance, hein, donc vous allez pouvoir vous muscler en même temps, c'est super. Et donc l'idée, comme je le disais il y a un instant, hein, c'est d'obtenir une pâte qui soit très homogène, hein, donc sans grumeaux. Les grumeaux, ce sont les petits morceaux de farine qui s'accrochent les uns aux autres. Donc on utilise le fouet justement pour éviter les grumeaux. Voilà. Et on obtient donc une pâte lisse, très homogène, comme ceci, hein. Hop là. Par rapport à la consistance, eh bien, c'est quelque chose d'assez épais, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est beaucoup plus épais, par exemple, que la pâte à crêpes ou que la pâte à gaufres, hein. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus épais que vous allez obtenir. Ah, super, je vois qu'il y a des personnes qui se sont
connectée. Donc, je vois que Mussy est avec nous. Allô, Mussy? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, Mussy a peut-être un petit souci avec son micro. En tout cas, bienvenue. Hein. Si comme Mussy, vous aussi, vous souhaitez venir discuter de la cuisine française, venir discuter des madeleines, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez à tout moment cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Et bienvenue encore une fois à Mussy. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je viens d'ajouter, donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, hein, je viens d'ajouter donc la farine et la levure. J'ai mélangé tout ça et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, eh bien tout simplement, je vais ajouter le beurre fondu. Alors je me rappelle juste parce que j'ai l'impression, hop, que... Hop, c'est la vidéo de Mussy que l'on voit. J'espère que c'est bien moi que l'on voit. Hop, pour la préparation. Donc, pour l'étape suivante, je vais pouvoir ajouter le beurre fondu. Donc, pour cette recette, pour 20 madeleines, il vous faut 60 g de beurre fondu. Donc, pour ça, vous allez pouvoir utiliser la technique du bain-marie. Alors, je vais m'approcher un instant pour vous expliquer. Moi, j'ai déjà fait fondre mon beurre, hein, mais je vais vous expliquer un petit peu la technique du bain-marie. Donc, pour préparer cette recette, je vais donc faire fondre mon beurre. Donc, pour faire fondre mon beurre, au lieu de mettre la casserole directement sur le feu, parce que si je mets ma casserole directement sur le feu, eh bien, je risque malheureusement, hein, de faire brûler mon beurre finalement, hein. Donc, pour éviter ça, eh bien, tout simplement, je vais mettre ma première casserole dans laquelle il y a le beurre dans une autre casserole. Donc, on imagine qu'il y a une autre casserole en dessous. Cette autre casserole va être remplie d'eau. Et en fait, c'est l'eau qui va être en ébullition qui va du coup faire chauffer tout doucement mon beurre sans le faire brûler. Alors, je suis un petit peu embêtée. Mussy, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô, allô? Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai l'impression que c'est la vidéo de Mussy qui apparaît en plein écran. Non, alors, non. Est-ce que vous êtes là, Mussy? C'est la vôtre qui apparaît. S'il est là ou pas. Bon, on verra. Allez, donc, une fois que j'ai fait fondre mon beurre au bain-marie, donc moi, je l'ai déjà fait fondre en avance, hein, une fois que j'ai déjà fait fondre mon beurre, eh bien, je vais pouvoir l'ajouter à ma préparation. Donc, j'ajoute le beurre à la préparation. Voilà. Et je vais mélanger, donc toujours pareil, hein, je vais mélanger grâce à mon fouet pour obtenir une pâte très homogène qui va être ma pâte à madeleine. Donc, pour les personnes qui nous rejoindraient, hop là, uniquement maintenant, petit rappel, hein, je prépare 20 madeleines. Pour cela, j'ai utilisé 2 œufs dans lesquels j'ai ajouté du sucre. J'ai ensuite battu tout ça avec un fouet jusqu'à obtenir une pâte un petit peu mousseuse. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de lait, j'ai ajouté la farine et la levure. Et là, à l'instant, je viens d'ajouter le beurre fondu. Voilà, donc j'obtiens quelque chose de très, très, très homogène. Ma pâte est superbe. Donc, une préparation très homogène dans lequel je vais ajouter donc la fin, le reste, disons, de mon lait. Donc, rappelez-vous, hein, pour cette recette, il fallait donc 1,5 cuillère à soupe de lait. J'ai déjà mis 1 cuillère précédemment. Je vais donc pouvoir utiliser maintenant 1/2 cuillère à soupe. Hop là. Voilà, ou c'est même une grosse moitié, c'est pas grave. Donc, 1/2 cuillère à soupe et je vais mélanger le tout encore une fois. Donc, je mélange tout ça et dans quelques instants, nous allons pouvoir laisser reposer la pâte, hein,
puisque cette pâte a besoin de gonfler. Nous allons donc la laisser reposer une quinzaine de minutes. Hop là. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Voilà ma pâte hein, qui a une consistance, hop là, qui est liquide, mais beaucoup plus épaisse que la pâte à gaufre ou la pâte à crêpes, comme je vous le disais il y a un instant. Et nous allons donc pouvoir laisser reposer pendant 15 minutes cette pâte avant de l'utiliser, avant de la mettre en fait dans les moules à madeleine pour les mettre au four. Vous verrez, la cuisson se fera en deux étapes, hein, une cuisson un petit peu particulière pour que l'extérieur soit doré et l'intérieur soit très tendre. Voilà, nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette amuse-bouche, la deuxième partie pour préparer donc des petites madeleines. Donc, comme vous le savez, si vous avez regardé la première partie, nous avons dû attendre 15 minutes pour que la pâte monte un petit peu, hein. D'accord ? Donc, nous avons utilisé, hop, je répète hein, pour les personnes qui nous rejoindraient en cours de route, nous avons utilisé 2 œufs, nous avons utilisé du sucre, nous avons utilisé un petit peu de lait, 1,5 cuillère à soupe au total. Nous avons utilisé de la farine, de la levure et du beurre fondu et nous avons laissé reposer tout ça pendant 15 minutes. Ne vous inquiétez pas si ça ne monte pas énormément, hein, il ne s'agit pas de pâte à pizza ou il ne s'agit pas de muffins super moelleux. Donc, votre pâte va monter un petit peu, mais pas de façon non plus incroyable, pas de façon extraordinaire. Et donc, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie qui va consister à, bien sûr, mettre la pâte dans les petits moules à madeleine et à réaliser la cuisson qui se fera en 2 étapes. Nous allons voir ça ensemble. So, welcome back. We are going to start the second part of the madeleine tutorial. So, now that we have waited 15 minutes, now that our preparation is ready, we are going to be able to bake the madeleine. So, we are going to do it in 2 times. So, let's see how to get. J'ai donc ma pâte à madeleine et cette pâte à madeleine, je vais la répartir dans mes moules. Donc, si vous avez un moule à madeleine à la maison, eh ben, c'est parfait, hein, un petit moule à madeleine qui se présente de cette façon. C'est l'idéal, bien entendu, puisque vos madeleines vont avoir la forme ordinaire, hein, la forme classique que l'on attendait. Si, en revanche, vous n'avez pas de moule à madeleine à la maison, mais que vous avez des moules à cannelés comme celui-ci, hein, des petits moules en simicole, des petits moules à cannelés ou des moules à mini muffins, eh ben, ça va également marcher. En fonction de la taille de vos moules à muffins, vous allez peut-être devoir cuire vos madeleines un tout petit peu plus longtemps puisqu'elles sont plus à découvert dans un moule à madeleine que dans un moule à cannelés ou dans un moule à mini muffins, mais ça va très bien fonctionner également. L'idée, ça va être de ne pas remplir vos moules jusqu'à ras-bord, jusqu'au maximum, puisque vos madeleines vont gonfler pendant la cuisson, d'accord? Donc, because of the baking powder, your madeleines are going to get bigger when you bake them. So, make sure that not to fill too much up your cupcakes. Et c'est parti, on va donc remplir nos moules. Donc, comme je l'avais dit, on avait fait une préparation pour 20 de madeleines. Donc, c'est parti. Donc, j'utilise la cuillère. J'ai ma pâte qui a gonflé un petit peu. Et je vais donc mettre la pâte dans mes moules à la madeleine. Comme on l'a dit, hein, pas au maximum de sa capacité puisque la pâte va gonfler encore hein, pendant la cuisson. Donc, je répartis ma pâte dans les différents moules. Donc, de mon côté, ça va être dans les moules à madeleine et dans les moules à cannelés. Si vous avez des moules à mini muffins, ça va très bien aussi. Hop là. Et donc, toute la particularité de la cuisson, c'est qu'en fait, on va vouloir d'abord cuire à feu fort la madeleine pour qu'elle soit dorée, hop là, et ferme à l'extérieur. Et continuer la cuisson à feu moins fort, dirons-nous, hein, on verra ça dans quelques instants,
pour que l'intérieur ne soit pas sec, hein, puisque le madeleine sèche, ce n'est pas très bon. Donc, pour que l'intérieur reste tendre, hop là, au moment de la dégustation. Donc, je remplis mes petits moules. De mon côté, j'ai 9 moules à madeleine et 6 moules à type mini muffin, on va dire. C'est peut-être plus connu. Voilà. Donc, si ça dépasse un petit peu comme ça vient de faire de mon côté, vous allez essuyer avec un essuie-tout ce qui a débordé de votre moule parce que le souci, si vous ne le faites pas, alors ce n'est pas dramatique, hein, mais c'est que la partie qui sort du moule va brûler en réalité à la cuisson. Donc, dans un instant, je vais vous montrer, hein, ça a dépassé un petit peu. Donc, je vais nettoyer le surplus de pâte. Voilà, je vous montre juste ce dont je suis en train de parler. Là, vous voyez, ça a dépassé un petit peu, ça a débordé un petit peu. Donc, pour éviter que cela ne brûle à la cuisson, eh ben, je vais tout simplement l'enlever avec un petit sopalin, avec un petit papier essuie-tout. Super, je vois que j'ai des participants. Alors, je vois que Eric est avec nous. Je vois que Mariam est avec nous. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, Eric? Allô, Mariam? Ou Myriam, peut-être? Myriam. Allô, allô? Allô, Myriam. Ah, ils ont peut-être des soucis de microphone. En tout cas, bienvenue à tous les deux. Eric, est-ce que vous êtes là? Ah, je suis là. Merci. Je ne vous entends pas. Bon, hop là. Alors, en tout cas, bienvenue à tous les deux. Hein. Vous êtes bien sûr les bienvenus donc, pour ce tuto cuisine. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, nous allons enlever le petit surplus hop, de pâte qui est tombé sur mon moule à madeleine. Donc, j'enlève le petit surplus pour éviter que cela ne brûle. Et je vais remplir mon autre moule, mon deuxième moule. Donc, je vais remplir mon moule à mini muffin, on va dire, de la même façon. Donc, je remplis mes pas en entier hein, puisque la pâte va encore gonfler. Alors, je vais peut-être aller chercher une petite cuillère. Ça sera peut-être plus simple pour ce type de moule. Hop, alors, je vais changer d'ustensile. Je prends donc une petite cuillère. Et je vais donc remplir mes moules. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train de me demander si ce n'est pas moi qui ai un souci avec mon micro parce que c'est étonnant que tout le monde ait un problème. Allô, Diana? Allô, bonjour, je suis en retard, désolée. Diana, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Mince, du coup, j'ai un doute. Je me demande si ce n'est pas moi qui ai un souci avec mon micro. Alors, je vais débrancher mon micro. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour Diana, ça va? Ça va, Laurence. Désolée, je suis en retard. Pas de souci, pas de souci. Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Super, super, super. Et Myriam, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, super. Ben, je suis désolée pour tout à l'heure, Myriam. Tout à l'heure, je ne vous entendais pas. Hein. Il y a eu un souci, mais je pense que le souci vient de mon côté. Je suis vraiment navrée. Donc, en tout cas, bienvenue à tous les trois. Donc, on est en train de terminer ces madeleines. Donc, si vous avez vu toutes les étapes, c'est super. Sinon, vous pourrez revisionner hein, les deux parties de la vidéo. Donc là, je suis en train de mettre la fin de la préparation dans les moules à mini muffin. J'ai déjà rempli mon moule à madeleine avec les 9 petites madeleines. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein. C'est juste la forme finalement de votre madeleine qui va changer, mais c'est la même préparation bien sûr. Voilà. Myriam, est-ce que vous avez déjà cuisiné des madeleines? Non. Non, jamais? D'accord. Et vous, Diana? J'ai jamais fait, mais j'aime bien. D'accord. Et vous, David? Non, c'est pas David, c'est Eric, pardon. Et vous, Eric? Répétez, s'il vous plaît, plus fort. Je ne entends pas. Pas de problème. J'ai coupé mon micro parce que je ne vous entendais pas, mais du coup, c'est vrai que je dois parler plus fort. Est-ce que vous avez déjà cuisiné des madeleines, Eric? Non, jamais. Jamais, d'accord. Est-ce que vous aimez cuisiner en général? Oui, j'aime cuisiner. D'accord. Qu'est-ce que vous cuisinez?
je prépare la nourriture indienne, thaï, mexicaine. D'accord. Et plus. Super, la cuisine du monde alors. Super, super. D'accord. Et vous, Myriam, est-ce que vous cuisinez souvent? Oui, je prépare des soupes et des gâteaux aussi. J'aime préparer des gâteaux. Super, super. Alors là, pour la fin de ma préparation, vu qu'il en reste un petit peu au fond du plat, eh ben, je vais utiliser ma langue de chat. Donc, les langues de chat, ce sont des cuillères en silicone qui permettent justement de bien racler le fond des plats. Hop là, donc je vais utiliser ça pour remplir mon dernier moule à mini muffin. Et ensuite, je vous montre tout ça dans un instant. Hop là. Je suis embêtée du coup pour cette histoire de micro parce que c'est dommage. Du coup, pour la première partie, on n'a pas pu bien discuter. C'est dommage. Il faudrait que je règle ce problème, puisque le problème vient visiblement de mon côté. Alors, voilà. Voilà, donc je vais venir. Je me lave juste les mains puisque j'ai un petit peu de pâte à madeleine. Hop. Et je vous montre donc tout ça. Déjà continuer à gonfler. Nous avons donc notre moule à madeleine. Donc ça, c'est un moule traditionnel, on va dire, hein, avec nos madeleines qui sont prêtes à partir à la cuisson. Nous avons également un moule, alors on va dire un moule muffin. Nous avons également notre moule à mini muffin qui est prêt, lui également, à partir à la cuisson. Comme j'utilise des moules en silicone, je n'ai pas beurré le fond de mes moules, puisque en général, quand c'est en silicone, ça se décolle assez bien. Mais si à la maison, vous utilisez des moules plus anciens, plus traditionnels, des moules en alu, par exemple, hein, parce que pour les madeleines, il existe des moules en aluminium, alors n'oubliez pas de beurrer le fond de votre moule, sinon au moment de démouler vos madeleines, ça risque d'accrocher, ça risque de vous poser un petit peu problème. D'accord ? Oui ? D'accord. Super. D'accord. Allez, on va donc passer à la cuisson. Je vais vous expliquer tout ça et puis ensuite, on pourra discuter puisque vous allez voir, la cuisson est très, très rapide. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la cuisson va se faire en deux étapes. Tout d'abord, vous allez allumer votre four à 240 degrés, donc très chaud, hein. Je vais le faire tout de suite pendant que je vous parle. Donc, il va chauffer vraiment très, très rapidement. Si vous avez un gros four, n'hésitez pas à le préchauffer, donc à allumer votre four 10 minutes avant de mettre vos madeleines à l'intérieur pour qu'il soit bien chaud. Moi, mon four est tout petit, donc ça va Donc, pendant les 5 premières minutes, je vais mettre mes madeleines à 240 degrés, donc vraiment pour les saisir, hein, pour que la pâte à l'extérieur soit bien ferme, on va dire bien dorée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la cuisson pendant 10 minutes en plus. Et pendant ces 10 minutes en plus, je vais baisser la température. Donc, je vais tourner mon écran. Donc, je vais baisser la température à 200 degrés pour qu'en fait, l'intérieur soit bien tendre, pour que mes madeleines ne soient pas trop sèches parce que c'est quand même nettement moins. Alors, je retourne l'écran pour vous montrer tout ça. Je suis désolée du coup qu'il y a un souci avec mon micro parce que je sais que quand je n'ai pas le micro, on m'entend nettement moins bien. Donc, je vais faire exactement ce que je vous ai dit. J'allume mon four à 240 degrés. Je mets mes madeleines pendant 5 minutes juste pour les saisir. Puis ensuite, je baisse mon four à 200 degrés et je continue la cuisson pendant 10 minutes de plus. C'est parti. Donc, 240 degrés, moi, c'est le maximum sur mon four. Je viens donc poser mes petits moules sur les deux plats de cuisson.
Évitez de mettre votre madeleine, vos madeleines pardon, tout en bas du four, sinon vous risquez de... J'ai mis mes deux plaques à cuisson dans la partie centrale du four. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Encore une fois, ça va dépendre de la taille de votre four. Je vais donc redéplacer l'ordinateur et nous allons pouvoir discuter un petit peu hein, pendant donc ces 5 premières minutes et ensuite on pourra passer à la deuxième étape. Alors désolé, c'est pas très pratique, il y a tous les fils au milieu. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon compte temps. Donc j'ai donc un compte temps ici. Je vais mettre mon compte temps dans 5 minutes. Ce sera la première partie de la cuisson. Et pour la deuxième partie, eh ben, je mettrai, comme je l'ai dit il y a quelques instants, hein, mes madeleines à 200 degrés. Donc je baisserai le thermostat pendant 10 autres minutes. D'accord? D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que tu as une question, Myriam? Oui, je voudrais savoir où je peux voir la recette parce que j'ai perdu quelques moments. D'accord, pas de problème. Alors, ben déjà, nos vidéos restent en fait en live, enfin, nos lives restent en ligne sur la page Facebook. Donc, si tu veux regarder à nouveau d'accord. la vidéo, tu peux. Et ensuite, mm-hmm. on écrit également une petite newsletter avec un petit résumé de ce que l'on a fait. Et dans cette newsletter, il y a les étapes de préparation des différents ouais. événements Amuse-Bouche. Donc, si tu reçois la newsletter, eh ben, tu auras également mm-hmm. les informations. Ah, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va pendant ces 5 minutes discuter un petit peu de vos habitudes alimentaires, de vos goûts en termes de dessert notamment, hein, puisque la madeleine, c'est un dessert ou même souvent un goûter. Alors, si je vous demande, Diana, quel est votre dessert préféré et pourquoi? Dites-nous. Bon, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, j'aime bien tous les trucs sucrés. Uh-huh. Et c'est difficile à décider quel est mon préféré. Bien sûr. J'aime bien quand la mousse de chocolat ne vient pas mousse, mais continue liquide. D'accord. J'adore ça. J'adore un espèce de pudding qui s'appelle Molotov. Mm-hmm. C'est un pudding avec les blanches des œufs et caramel. D'accord. Blanc d'œufs et caramel. Ah oui, ça doit être pas mal. Mm-hmm. Oui, très bien. Et quand j'ai un petit faim, j'aime bien faire des petits mug cakes au chocolat. Mm-hmm. Et des cookies au chocolat. Et des cookies au chocolat, d'accord. Et est-ce que vous savez cuisiner tous ces desserts, Diana? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Encore mieux. Super, voilà. Super. Parfait, parfait. Et vous, Eric, quel est votre dessert préféré? J'adore... des gâteaux oui. Des tartes aux pommes. Oui, super, la tarte aux pommes aussi. Uh-huh. Fini. C'est tout? D'accord, super. Et est-ce que vous cuisinez les gâteaux ou est-ce que vous les achetez tout fait, Eric? Parfois, je cuisine. Vous les cuisinez? Uh-huh. Et je sais... qu'il ne faut pas manger de nourriture grasse. D'accord, de la nourriture grasse. Mais parfois, on peut quand même se faire plaisir. Super, super, super. Et vous, Myriam, est-ce que vous cuisinez des gâteaux? Quel dessert est-ce que vous aimez faire? Des gâteaux ou d'autres desserts, d'ailleurs? J'aime tout. Avec le chocolat, tous les desserts. j'ai fait un mousse au chocolat, qui c'est un peu mon préféré. Et plusieurs gâteaux aux oranges et d'autres que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime aussi le fraise avec chantilly. Oui, les fraises à la chantilly, oui, c'est pas mal, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. Super,
Super, super. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'origine un petit peu de la madeleine. On a dit que ça venait de l'est de la France, que ça venait de la Lorraine, comme la quiche lorraine qu'on a déjà cuisinée ensemble. On a dit aussi que c'était une recette qui avait beaucoup voyagé, puisqu'on trouvait aujourd'hui des madeleines dans la cuisine japonaise, dans la cuisine coréenne, dans la cuisine suisse. Hein, donc, elle a été beaucoup, c'est une recette qui a beaucoup voyagé. Par contre, tout à l'heure, on n'a pas du tout parlé de son côté populaire, puisque la madeleine, disons, a gagné en popularité grâce à Marcel Proust. Il y a même une expression hein, qui est la madeleine de Proust. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est la madeleine de Proust? Moi, non. Non? Non. Eric et Diana non plus? Non plus. J'avais non? entendu parler de ça, mais je me rappelle plus la définition de financier que de madeleine. D'accord. Et bien, en fait, c'est dans un de ses romans qui s'appelle Du côté de chez Swann, hein, qui est le premier de ses romans où il raconte finalement son histoire, son enfance surtout. Et bien, il y a une vraie réminiscence. Donc, une réminiscence, c'est un souvenir qui est provoqué soit par l'odeur, soit par des couleurs, soit par une sensation. Et donc, en fait, dans ce livre, eh ben, il a une sensation, il a une réminiscence, un superbe souvenir de son enfance quand il va manger une madeleine. Ah, ça lui rappelle trop, trop, trop les madeleines de son enfance. Et donc, c'est un très beau passage hein, où, du coup, il y a tous ces souvenirs d'enfance qui lui reviennent en tête, hein. Il se rappelle comme ça de beaucoup de choses de son enfance grâce à cette madeleine. Et donc, c'est devenu une expression hein, quand si quelqu'un vous dit « Oh là là, par exemple, vous mangez quelque chose qui vous rappelle énormément votre enfance », quelqu'un peut vous dire « Ah, ben, c'est votre madeleine de Proust ou c'est ta madeleine de Proust et c'est quelqu'un qui vous tutoie ». C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous rappelle, qui vous évoque en fait un très bon moment de votre enfance. C'est ça, la madeleine de Proust. Est-ce que, Diana, est-ce qu'il y a un plat, que ce soit un dessert ou même un autre type de plat, qui vous rappelle, ou un fruit peut-être, je ne sais pas, qui vous rappelle particulièrement votre enfance, donc la période de la vie quand vous étiez enfant? En fait, Nestlé, elle faisait une espèce de chocolat poudré pour le lait. Mm-hmm. Ils ont discontinué pendant des années, mais que maintenant il y a un qui s'appelle Milou. Oui. Et quand je sens l'odeur de ces chocolats, je pense toujours quand j'étais tout petit et que je ne buvais que de lait au chocolat avec ces chocolats. Uh-oh, same problem. L'écran est arrêté. Congé. Pour moi aussi, je pense que c'est l'écran de prof qui est mal. Allô? Bienvenue. Oui. Excusez-moi, décidément, aujourd'hui, on a des soucis techniques. D'abord, le micro et ensuite, la connexion Internet. Je suis désolée. Donc, je vous disais donc que je vais retourner mes moules à madeleine puisque ceux du haut sont déjà un petit peu dorés. Donc, c'est super. Je vais pouvoir les retourner. Et à mon avis, on n'aura pas besoin de 10 minutes de cuisson. Je pense que 5 minutes devraient suffire. Donc, je les retourne et ensuite, je reviens discuter avec vous pendant 5 minutes. Je pense que 5 minutes, ça sera suffisant. Alors, pour tester un petit peu la cuisson de vos gâteaux, vous pouvez, comme toujours, hein, si vous êtes adepte de cuisine, planter un couteau à l'intérieur pour voir la consistance. Hop là, voilà, c'est ça. Donc, 5 minutes, ça va. Les madeleines du haut sont presque prêtes. Hop. On va donc retourner les madeleines du haut.
Et on va laisser cuire 5 minutes de plus. Comme je vous le disais, hein, mon four est vraiment tout petit. Donc, à la maison, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de 10 minutes de plus. Moi, encore un problème. Bon, ça devrait être des très bonnes madeleines, j'imagine. J'imagine aussi le congé arrête. Oui, alors je suis vraiment désolée. Ce matin, ma connexion Internet fait n'importe quoi. Je suis vraiment, vraiment désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des travaux ou je ne sais pas quel est le problème, mais je suis coupée plusieurs fois. Vraiment, excusez-moi. Pas de problème. Eric, est-ce qu'il y a un plat qui vous rappelle particulièrement votre enfance? Quand j'étais petit, j'ai mangé des Twinkies, je ne sais pas, mais j'ai mangé le Twinkies tout le temps. D'accord, j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous mangez, pardon. Des cookies? Un gâteau petit avec de crème et gâteau. D'accord. Des biscuits, alors, peut-être en français? Presque. Un gâteau petit avec de crème. D'accord. Ouais. Un petit gâteau avec de la crème. Ouais. D'accord. Et à quelle occasion est-ce que vous les mangez? Est-ce que c'était pour le goûter? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que... À quelle occasion? Yeah. Après le cours, quand... ma mère ne me voit pas. Ah, d'accord. Votre mère ne vous voyait pas. Super, super, super. Et aujourd'hui, est-ce que vous mangez toujours ce type de gâteau, parfois, ou est-ce que vous n'en mangez plus? Je sais manger plus de légumes et moins de gâteaux. D'accord, plus de légumes et moins de gâteaux. Super, super, super. Pas facile. C'est pas facile, non, je suis d'accord. C'est vrai que les gâteaux, c'est quand même drôlement bon, on est d'accord. Super. Yeah. Et vous, Myriam, est-ce qu'il y a un plat, une recette qui vous rappelle particulièrement votre enfance? Et pour moi, ce sont les gâteaux aussi parce que je les préparais avec ma mère et ça me rappelle beaucoup mon enfance. D'accord. Est-ce qu'il y a un gâteau en particulier? Je ne sais pas comment on dit en français parce que au Brésil on dit gâteau de rien. D'accord. C'est un gâteau simple, presque comme une madeleine, la pâte sans rien. C'est une pâte simple, je ne sais pas comment on dit. D'accord. Ici, on parle gâteau de rien. D'accord, gâteau de rien. Super, super, super. Allez, donc mon four a sonné. On va pouvoir sortir les madeleines. On va laisser celles qui sont dans les moules à mini muffins un tout petit peu plus longtemps. Mais je vais pouvoir vous montrer les autres. Je vais juste aller chercher une assiette et une petite manite pour sortir mes madeleines du four sans me brûler. Je me débranche du micro puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, je m'en mêle juste les pieds dedans et c'est tout. Donc, je vais chercher une manite et une assiette et je vous montre tout ça dans un instant. Hop là, voilà. J'ai donc une assiette devant moi. J'ai donc deux
torchon que je vais utiliser en guise de manique et je vais pouvoir sortir les madeleines du four. Et donc, il faut savoir que quand vous avez vos madeleines qui sont vous allez pouvoir les démouler immédiatement. Donc, les voici. Donc, vous allez pouvoir les démouler immédiatement sur une assiette. Donc, ce que je vais faire avec vous. Hop. Et vous allez ensuite les laisser refroidir en dehors du moule. Hein. Sortez-les du moule immédiatement parce que sinon, elles vont ramollir, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, je sors la dernière qui... Hop. Voilà. Et on va laisser ça dans les mini-moules à muffins un petit peu plus longtemps. Donc, voilà le résultat. Vous avez vos petites madeleines qui ont bien gonflé, hein, si vous regardez par rapport à tout à l'heure. Donc, les petites madeleines qui ont bien gonflé. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons préparé des madeleines très simples, des madeleines très classiques. Mais si vous souhaitez ajouter de la fleur d'oranger dans votre préparation, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui en ajoutent et ça donne un bon goût en plus, on va dire. Si vous souhaitez, si vous avez des enfants ou que vous aimez particulièrement le chocolat, si vous souhaitez ajouter des petites pépites de chocolat, c'est tout à fait possible. Comme ça, donc vous pourrez tout à fait imaginer des petites pépites de chocolat à l'intérieur, ça irait très bien également. Et vous allez pouvoir manger vos madeleines et ben, soit avec un thé ou un café, soit comme ça en petit dessert ou en petit goûter à tout moment où vous avez un petit creux, vous avez envie de manger un petit quelque chose. D'accord? D'accord. Oui, super. Est-ce que vous avez des questions sur les madeleines? J'aimerais pouvoir les goûter maintenant, mais... Eh bien, Diana, ça serait bien volontiers, mais alors il faudrait venir à Marseille pour ça. J'arrive là. Super. Super. Pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Super. Alors, encore une fois, excusez-moi pour les petits soucis de connexion. C'est la première fois que ça arrive. Je suis vraiment désolée. Il y a eu des orages ce matin à Marseille. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais là, ça m'a l'air d'être fini. Ou s'il y a eu un souci sur la ligne. Donc, vraiment, excusez-moi encore une fois. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto cuisine. J'espère que vous préparerez des petites madeleines de votre côté. Si vous les préparez, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos préparations. Hein. Ça nous fait très plaisir avec l'école. Et donc, je vous rappelle que si vous souhaitez participer à d'autres tutos cuisine, n'hésitez pas, nous organisons un tuto cuisine, un événement amuse-bouche toutes les 2 semaines. Donc, c'est soit le soir, soit le midi. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour avoir tous les renseignements nécessaires. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.